j'étais boulanger depuis l'âge de 3 ans. Et tous mes vacances scolaires dans le primaire, j'allais chez le boulanger du village. À 2 km, je prenais mon vélo. Et à 13 ans, je rentre en apprentissage. Et je connaissais déjà le métier parce que je me pratiquais déjà dans ce fourneau. Et puis, ouvrier jusqu'à 24 ans. À 24 ans, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce métier de fou où on voit pas le jour, pas de loisirs, 18 heures par jour, faire des baguettes à la chaîne, ça n'a pas de sens. Je pars et je retourne à l'école et je passe mon bac en 6 mois. Et je rentre à l'école d'assistance sociale. Je pratique le métier pendant 7 ans, mais pendant ces 7 années-là, j'ai repensé le métier de boulanger. Les méthodes de travail, de panification, j'ai retrouvé le levain naturel qui n'existait plus. Après avoir été tant prisonnier, j'ai connu le goulag de la boulange. Tant mieux, parce que ça m'a permis de rencontrer ce que je cherchais dans ma vie, c'est la liberté. Qu'un métier n'est pas là pour nous emprisonner, mais pour nous rendre libres. Ma vie, c'est pas que boulanger. J'ai envie d'être musicien et passer du temps avec la musique, et puis envie d'être jardinier, de faire du jardin. Tout ça, ça demande du temps. Et ce temps m'a été offert par mon métier de boulanger. Pour moi, une maison sans jardin, c'est un lieu orphelin. Il n'est pas pensable que la maison ne soit pas associée au jardin, parce que c'est la nourriture du quotidien. C'est un jardin de plus ou moins 2000 mètres carrés, parce que le jardin ne sont pas que les parties cultivées, il y a tout l'environnement qui va avec, et les arbres qui l'entourent, et les allées, et les lieux de compost, et tout ça fait partie du jardin. À 5 dans la maison, il n'y a jamais eu d'excédent, hein. Tout y passait, quoi. Hein. Dès que mon métier m'a donc libéré, j'ai eu du temps pour chercher à comprendre qu'est-ce que je faisais là, de sortir un peu de cette vie horizontale où, la tête dans le guidon, on n'a plus le temps du tout de comprendre le sens de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est la vitesse du monde aujourd'hui et qui ne permet plus à la verticale de descendre, c'est-à-dire de comprendre le sens de tous nos gestes quotidiens. Ça, c'est une pâte qui est pétrie depuis déjà 4 heures du matin, il est 8 ou 9 heures, là. C'est ce qu'on appelle le pointage, c'est-à-dire une première fermentation dans la masse. Après la tourne, c'est-à-dire la mise en forme, elle commencera sa deuxième fermentation qu'on appelle l'après. Avant la mise au four, ce sera encore 4 heures ici, dans le Parisien, et elle ira au four qu'à midi. Donc c'est des fermentations de 8 heures, mais avec les levains qui sont faits depuis la veille, ce sont des fermentations de 18 heures au moins. Il n'y a pas d'autre manière de faire du pain qui a de la conservation, un racimant lent, que d'avoir des pâtes qui ont fermenté longtemps. Mon pain, il n'est pas affiché biologique, parce qu'il est automatiquement, il ne peut être que biologique. J'ai pas de certification, parce que je trouve que ça sert à rien. Moi, ça marche sur la confiance. C'est ceux qui font pas la biologie qui devraient être certifiés non bio, quoi. Hein. Voilà. Du coup, j'ai piqué un sac, parce que j'ai encore oublié. Si, je vais t'en donner. Quand je suis pas là, il y en a dans le fond du placard. Donc, je vais t'en donner un. Je vais passer dans la voiture, et puis... Mon idée à moi, c'était de rendre le lieu plus convivial, autogéré, comme c'est maintenant. Ça m'a aidé à instituer un système de commandes qui évite les pertes de pain, qui permet, moi, de savoir qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée et qu'il ne reste pas de pain dans les étagères le soir, comme c'est le cas dans la plupart des boulangeries. Et ça, différent. Ça, c'est le vin naturel, c'est le ferment du blé, pour traduire. Ça, c'est le ferment de la bière. J'ai tout de suite vu que c'était pas possible d'à la fois les mains dans la pote et les mains dans la caisse. Donc, le premier jour, j'ai mis la caisse sur le pétrin et j'ai demandé aux gens de se rendre la monnaie eux-mêmes. Ça, c'est
raisins sont là. Et là, c'est des pains au noix et... Ah bah ouais. J'ai mis 20 centimes de moins, mais la dernière fois, j'avais mis 20 centimes. Oui, bon, d'accord. Vendre le pain, c'est autant de temps que de le fabriquer. Soit il faut quelqu'un au magasin, soit il faut aller faire les marchés, autant de temps. Donc, donner la caisse aux gens, qui est un geste simple que tout le monde peut proposer, divise le travail en deux. Ça explique déjà beaucoup comment je peux, moi, nourrir ma famille, entretenir ma maison, en travaillant que deux jours. Je compte jamais ma caisse le soir, pour pas me faire de soucis avec l'argent. Cette tranquillité-là que je me suis donnée m'a bien récompensé. Parce que c'est assez étonnant, mais j'ai jamais eu de problème d'argent. Toutes mes journées de pain, oui, c'est toujours un grand contentement pour moi.